نتابع مع الملاكم يوسف بوغانم من بلجيكا، ملاكم محترف من بروكسل. مسار رياضي بدأه في سن الطفولة، عن سن 17 سنة هاجر إلى تايلاند. في رصيد يوسف عدد كبير من الانتصارات والبطولات في ميدان الملاكمة الاحترافية. ككل الرياضيين من مغاربة العالم، يوسف يتمنى أن يلعب داخل المغرب. خلال هذا اللقاء يحدثنا عن مساره، عن الصعوبات التي واجهها وكذلك ارتباطاته بالمغرب. السلام عليكم à tous. Je m'appelle Youssef Bouraleb. Je suis un boxeur professionnel d'origine marocaine. J'ai grandi en Belgique et je suis parti m'expatrier en Thaïlande pendant 12 ans. À mon actif, j'ai 258 combats professionnels et actuellement, j'ai gagné hier, 259e hier c'était, 259e à Bruxelles. J'ai gagné mon championnat du monde WBC, donc le quatrième titre d'affilée que j'ai eu. J'ai commencé la boxe après le foot, donc j'avais 12 ans. J'ai commencé à jouer au foot et souvent il y avait des défaites et c'est à la fois un peu de tout le monde. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit bon, ben, on va faire un peu de boxe. Et quand j'ai fait de la boxe, je suis tombé amoureux de la boxe. De la confrontation et le duel un par un, ça m'a plu. Depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, j'ai parcouru plusieurs pays, fait plusieurs rencontres grâce à la boxe, fait beaucoup de combats par rapport à la moyenne. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ta trajectoire professionnelle? Ben, c'est le défi de faire des combats, de gagner et de résoudre les problèmes à chaque fois. Chaque combat, c'est un nouveau problème à résoudre, c'est un nouvel adversaire, c'est un nouveau style. Tu vois, il y a une nouvelle atmosphère, il y a toute une préparation qui s'ensuit. Et c'est ce qui me motive toujours à pouvoir faire, à pousser de plus en plus, à aller de plus en plus en avant, essayer de me surpasser à chaque fois. C'est cette motivation qui me tient à cœur avec moi et avec les autres. Et engager mes engagements et les finir à chaque fois. Donc chaque fois qu'il y a un nouveau combat, je me motive toujours à faire la nouvelle chose, même si ça ressemble à peu près pareil, même si ça reste de la boxe. C'est toujours des nouvelles méthodes différentes, des nouvelles stratégies. C'est un nouveau mandat à chaque fois, donc c'est passionnant pour moi. Ben, j'ai eu des moments difficiles dans ma carrière où j'ai eu des blessures. J'ai dû les résoudre, bien sûr, j'ai dû les résoudre. Et je les ai résolus. Ben, ce qui m'a conduit aujourd'hui, ben, le mot qui peut qualifier ça, c'est un peu la résilience. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et malgré ces difficultés, je les ai surmontées. Et voilà, il n'y a jamais de parcours facile. Et je respecte tous les parcours de chacun dans chaque domaine. Et voilà, le mien, c'est le mien. Et alhamdoulilah, ben, on est là. Et si on en est là, c'est grâce à Allah. Ben, la diversité, c'est une grande force. C'est une grande force en Belgique. Donc, c'est à son positif. À Bruxelles, moi, je connais tout le monde. Je m'entends avec tout le monde, dans le sens où je connais tout le monde, c'est pas je connais Kulchi, tu vois, mais je connais toutes les cultures. J'ai pas de problème, j'ai des copains albanais, j'ai des combats congolais, j'ai des combats. C'est une grande force, c'est le Saha, tu vois. Saha de Bussah, la multiculture. J'ai eu des propositions du Glory, c'est une organisation de kickboxing. J'ai eu une proposition aussi de ONE FC, mais je pense que je vais me diriger vers le ONE FC parce que pour moi, faire du Muay Thai et faire de la boxe et du kickboxing, ça reste la chose la plus facile pour moi. Voilà, tu sais, faire du kickboxing et du Muay Thai, c'est comme si maintenant tu faisais un football à 6 et un football à 11. C'est les mêmes règles, c'est la même chose, mais c'est pas la même dimension, c'est pas la même fikra, tu vois. Même si ça reste des combats, tu vois. Mais la forme la plus hard et la plus difficile, ça reste le Muay Thai. C'est la plus difficile, la plus wa'ara, tu vois. D'ailleurs, beaucoup de mecs qui vont au K1, ils le font parce qu'ils s'en sortent pas en Muay Thai. Et moi, je reconnais personnellement qu'ils ont fait le transit à cause de ça.
je me présente, Fouad Beniz. Je suis dans l'événementiel et nous sommes ici à Bruxelles, à l'hôtel Métropole. Un superbe monument, hôtel monument classé. Ben écoutez, moi je connais la famille Bouganem depuis des années et je les suis depuis qu'ils sont champions du monde. Et surtout Youssef, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Parce que voilà, la Amras là, c'est des gens avec la main sur le cœur. Et quand ils sont là pour vous aider, ils sont là. Je suis fier de leur parcours, de là où ils sont arrivés. Ils sont plusieurs fois champions du monde, etc. Franchement, je suis très fier d'eux. J'ai une partie de la famille qui est un peu rif de côté de ma mère et qui sont implantés un peu sur Fnédard, très Tétouan. Et j'ai une autre partie qui viennent de Tanger, Qassar Kbir, de mon côté de mon père. Voilà, je suis Chameli à 100%. J'ai deux enfants. Quand je parle de l'arabie, quand je parle de l'arabie, quand je parle de leur donner un héritage, tu vois, un tel homme chez Warata, un petit nid qui brûle le dim marabi, tu vois, mais je suis accolé à la dim diadou. Bien sûr, j'y pense. On peut dire qu'aujourd'hui, j'ai la triple culture. Parce que je suis aussi depuis 17 ans en Asie, en Thaïlande. Donc, ouais, c'est toujours enrichissant. Après, c'est les mêmes mots, tu vois. Oui, c'est oui, non, c'est non, mais après, c'est les interactions culturelles qui diffèrent suivant les environnements. C'est bien, par exemple, à Casa, ils ne pensent pas comme à Tanger, ou peut-être pas exactement pareil. Donc, t'imagines de Thaïlande à Belgique, Belgique à Maroc, il y a des petites différences, mais c'est pas grand-chose, tu vois. On est tous des humains et tout le monde s'en souvient la main, qu'un habbo ma'atna, tu vois. C'est surtout pour le Jamal Muslimin et même pour le rapport humain entre nous. C'est à peu près la même chose. Notre roi Mohamed Sadis a fait beaucoup de choses. Il a rendu quand même le Maroc comme une sorte de capitale pour l'Afrique. Capitale, c'est un endroit où d'exemple, où c'est un pays qui fait bon vivre. Tout le monde veut aller au Maroc, que ce soit du Moyen-Orient, de Saoudia jusqu'aux États-Unis américaines. Comme les millions qui ont visité le Maroc, tu vois. J'étais dans l'avion au mois de juillet pour l'Aïd al-Arsh. Quand je venais, j'étais avec un groupe d'avions et les Thaïlandais, ils y vont souvent aussi. Donc ça touche tout le monde, le Maghreb chez Hajj, hein. Et on est fiers, on peut être que fiers d'être Marocain. C'est en voyageant qu'on sent. Tu vois, quand on reste trop au Maroc, on n'a pas l'impression de tout ça. Mais quand tu voyages autour et tout, tout ce qui tout l'engouement qu'il y a autour du Maroc, il est que positif. Et j'espère, et je suis sûr que ça va être de plus en plus vers le haut, Inch'Allah. Moi, en tout cas, quand je boxe, ça crée beaucoup d'engouement. Beaucoup de mouvements. Les gens sont très contents que je puisse me produire à Bruxelles. J'aimerais prochainement me produire au Maroc, si Allah le veut. Et j'en suis sûr que ce serait un grand plaisir pour tous les internautes sur Internet qui suivent ma carrière et même ceux qui vont être présents physiquement de boxer au Maroc. Je pense que ça va rassembler une grande masse de foule. Positif dans une ambiance festival et une ambiance festive et surtout sportif. Le Maghreb d'Yenna, c'est le Maghreb d'Yenna, c'est le Maghreb. On ne sait pas si l'Aqab, on ne sait pas si d'Yenna, on ne sait pas si d'Yenna, c'est tout ce qui compte.